vraiment obligé de s'y coller? Ça dépend, tu veux être pris pour cible? Y'a que la défense qui est capable de débourser 60 millions pour engager une putain de babysitter. Bon, bah, toi l'honneur, ma biche. Kozak, code de vérification. Alpha 2, 9, Yankee 7. Ghost Leader, code de vérification. Whiskey, Bravo 4, unité Foxtrot. Pepper, code de vérification, unité 6, Hôtel, Mike 3. Je veux essayer. Hé, hey, tas de ferraille! Reine d'Angleterre! Oh! Oh! Wow, 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 wow. Code de vérification, Charlie unité, 2 unités, novembre! Fais chier. J'ai regretté d'avoir direct. T'as gagné un nouveau surnom. Katia Prugova, un ex-agent du KGB parfaitement introduit dans le milieu. Il nous faudra un certain temps pour identifier ses commanditaires. Et je crains déjà le pire. La Russie, la pire destination possible. Mais c'est en Russie que la piste aboutit. On n'a pas le choix. D'après Prugova, ses complices se servent d'une station météo désaffectée proche de la frontière norvégienne comme zone de transit. Tout ce qu'on sait, c'est que la station est divisée en deux sections distinctes. À vous d'identifier la nature des opérations. Menez l'enquête et vaporisez le complexe. Allez. Bon, on voit, faut pas qu'il m'envoie au casse-pipe, là, soi-disant mission d'infiltration qui finit en girofoire. Unité d'artillerie mobile servant également de poste à couvert. Ça commence bien, c'est le petit robot qui nous en faut voir tout à l'heure. Ouais. Ok, ça peut servir de pseudo-mortier. Et des grenades IEM, bon, ça on connaît. Hein. C'est pour bousiller tout le matos électronique de l'adversaire. On va rester comme nous sommes, quoique j'ai changé de stuff sans le vouloir. Eux, par défaut, ils mettent avec ça. Ça, au cas où ça part en cacahuète. Ça, pour... eh bien, le standard, avec un petit silencieux, les capteurs et les grenades IEM. Bon, on va suivre leur... je vais pas faire l'erreur que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire de partir avec mon stuff. Apparemment, on a le choix, mais... c'est entre guillemets. Parce que mon silencieux dans la fusillade en pleine rue n'a pas été très utile. Donc on est parti pour la Russie, hein. Ça va changer d'univers et d'environnement, la neige, le blizzard et le froid. Donc c'est cool, ça varie un peu. Je sais pas si le jeu il est long. Là je suis rendu donc à la cinquième mission. Je vais, si tout se passe bien, normalement on va arriver jusqu'au bout. Hein. J'ai pour but de le faire en entier. Si vous insistez, je le referai en mode encore, voilà, maintenant que je connais à quoi m'attendre, mais bon, sinon je le ferai moi en first try, comme là. Jusqu'à présent, ça va, je me plains juste du seul passage que j'ai loupé à la précédente mission, mais on va essayer de faire en sorte d'éviter, donc le refaire, pourquoi, à vrai dire, pour rien. Bon. Je suis pas déçu ni forcément surpris. Mais ça reste. C'est pas en dessous de ce que j'espérais, mais c'est pas non plus au-dessus. Mais je suis pas encore rendu où. Hein. Mais c'est clair qu'après, au niveau solo, vaut mieux si vous aimez ce genre de jeu, vaut mieux s'orienter vers du Splinter Cell. Hein. Ou du Metal Gear, mais sur PC on n'a pas tous les épisodes, on a que le Grand Zero, puis enfin si on peut appeler ça un épisode d'ailleurs, c'est plutôt une préquelle, et le Phantom Pain. On avait le 2 moment je crois, ou je sais pas, mais je crois qu'il est plus disponible sur PC, et va savoir s'il avait été vraiment disponible, je sais même plus. Il me semble que oui pourtant, mais il y a plein de jeux qui disparaissent hein. Au fur et à mesure, c'est pour ça que je vous conseille de vous y mettre avant qu'ils disparaissent pour de bon. Parce que quand les éditeurs décident de les enlever, ils les enlèvent. Après, il y en a qui finissent en abandonware, d'autres non. Car les éditeurs, bah, ils mettent genre un cadenas dessus, quoi. Puis bon, après, faut le pirater, quoi. Grosso modo.
D'ailleurs, à savoir que Pandora Tomorrow, hein, vous ne pouvez pas l'avoir ni sur Uplay, ni ailleurs. Je reviens de me taire et je vais lancer un capteur. Et c'est, je vous le dis au cas où, hein. Ni sur GOG, ni sur rien du tout, je l'ai trouvé nulle part. Donc je vais me débrouiller de trouver la version CD. Mais ça se trouve, ça va me faire comme pour Rayman 2. J'ai la version CD, mais vu que j'ai un lecteur DVD, bah, je peux pas... J'ai pas pu l'installer, donc j'ai dû prendre une version pirate, quoi, en gros, grosso modo, quoi. Malgré que j'avais le jeu. Ça se trouve, ça va être la même avec Pandora Tomorrow. Il y en a un qui va s'occuper de lui. Non, moi je vais m'occuper de lui. Oh putain, je me suis trompé. Ça commence bien. Désolé, en plus, je me suis encore foiré. C'est lui qu'il faut que je mette en quatrième si je m'en occuper moi, personnellement. J'avais pas vu qu'il y en avait un autre là. Donc j'ai plutôt... Moi je vais m'occuper d'eux. Je vais rafaler. Comme on avait déjà vu... Bon. Hop. Voilà. J'ai lancé deux trucs mais tant pis. Tout le monde est prêt donc moi je vais pouvoir rafaler. Au moins en avoir un ici. Il est où le quatrième? Du coup c'est moi qui dois me le faire, attendez je crois que j'ai déliré sur ça, voilà. J'ai envie de recommencer là parce que je fais n'importe quoi. C'est pas compliqué, il y a que deux touches mais comment ça se fait, je le confonds à chaque fois. Je vais m'énerver tout seul sur ces conneries. Voilà. Tout ça pour ça. Il faut faire quoi là? Suivre. D'accord. Bon, j'espère que j'ai trouvé une boîte de munitions là parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai buté tous mes capteurs pour 4 gars. Enfin 5 gars, 6 gars d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait 2 de plus ou 1 de plus. C'est 4 qu'on peut tuer en même temps et après il faut se débrouiller pour les autres. Et c'est ça en fait qui est un peu con parce que bon après ça peut être mieux en solo, enfin en multi parce que du coup chacun se dit bon bah je prends lui et lui, on s'en prend deux chacun, voilà du coup ça facilite les choses. Que là c'est tout la subtilité du, enfin subtilité ou pas, ou l'inconvénient peut-être même, du solo, c'est qu'il faut tout simplement, enfin non du coup c'est une autre façon de jouer quoi, en fait. Faut gérer avec l'IA. Et on peut faire que tirer sur une cible. On peut faire en sorte que l'IA tire sur une cible mais pas plusieurs. Donc s'il y en a plusieurs, le reste après c'est à nous de le faire. Donc comme là, tout à l'heure ça allait quand ils étaient tous en groupe. La dernière fois j'ai joué au foot, c'est un peu pareil. T'en avais 3-4 sur les bords et puis du coup j'aurais dit qui tue ceux qui étaient sur les côtés. Ça vaut pas forcément le coup là du coup mais bon. Bon bah écoutez. Je me suis un peu foiré je pense là. Ouais. Je suis pas mort. Je comprends rien. J'aurais dû d'abord les buter. Et après dire en même temps au machin qui leur tire dessus là. Parce que j'arrive plus à faire en sorte qu'il leur tire dessus. Qui tire dessus. C'est quoi ce délire? C'est qu'il s'est fait toucher. Il y a 2 secondes j'arrivais à faire en sorte qu'il lui tire dessus là avec les commandes d'ordre. Ah d'accord. Moi je pense que ça sert juste pour essayer, après on va en recommencer là parce qu'on a un peu n'importe quoi. Mais il en faut combien pour buter le machin là? Mission furtive, hein, je rappelle. Bon du coup, on va enlever le silence, ça sert à rien, on va plutôt prendre ça ouais.
J'arrive pas à voir, c'est un peu loin. Je vais tirer sur les tonneaux et faire tout sauter. J'ai joué comme un pied, là j'avoue, hein, mais c'est que bon bah je connaissais pas encore cette fonction au niveau du mortier. Et je pensais que ça allait être qu'on allait plus le tuer plus rapidement en fait. Enfin le temps que je pensais qu'il allait durer. Qu'il allait être moins résistant qu'il ne l'était. Donc là on reprend quoi après qu'on ait buté les mecs ou faut que je retue les gars? Je ne sais plus. Ils sont pas en mode camouflage donc ça sert à rien de s'y mettre. Ouais c'est bien ça. On arrive. Je vais jeter un capteur, parce que ça coûte. Par rapport à tout à l'heure, j'en ai gaspillé, donc maintenant on va pas se plaindre, hein, tant pis, hein, fallait mieux gérer. Donc, je me trompe pas de touche, je regarde quand même le cas où, mais c'était bien ça, c'est bon. J'en ai plus que deux donc on va essayer d'en mettre un au milieu. On va voir à peu près tout le monde. Donc. Contact, char ennemi. Juste en face. À ton signal. Prêt à tirer. Il n'y en avait pas d'autres là-haut là tout à l'heure. Il y en a eu en bas, il me semble. Eh bien écoutez, il est où? Il est rentré dans le tank ou quoi cet enfoiré? Non, je l'ai pas marqué, il est là-bas. Il n'y en a pas un quatrième? Bah moi je vais m'occuper du tank. Hein. Donc on va essayer de bien gérer cette fois-ci. Même moment. J'ai envie de tirer dessus putain. Tire leur dessus les gars. Je voulais faire synchro. Ça marche plus. Maintenant ils ont plus en verrou. Ils ont pu en mauvaise synchronisation encore une fois. Attendez, on recommence parce que je pense que sinon on va perdre. Ça sert à rien, on s'est fait repérer trop tôt. Donc je vais les faire tuer juste avant de commencer. Je vais les faire peut-être trop bien. Du coup, vraiment les deux en même temps, mais ça n'a pas fonctionné. On va prendre un peu d'avance. Hop. Droite visuelle. On dirait un parc de matériel. Et ils ont un char. Ok, activez le mortier. On va régler le problème tout de suite. Merci. J'ai un blindé ennemi en visuel. Je suis prêt. Donc il n'y en a bien que 3, hein. C'est bien ça. On voit deux autres. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Non, je crois qu'il doit parler de ceux que j'ai marqués. Là, j'ai lancé le maximum de roquettes que j'ai pu d'un coup. Je bourrine la gâchette. Là. Voilà. Attaque un peu plus coordonnée, un peu mieux. Maintenant, faut que je change la vue. Il y avait un autre. Voilà, je commence à m'y faire, c'est pas trop tôt. Piper est à terre. Pépé, moi. Où est-ce qu'il est cet enfant? Mais personne ne lève, hein. Faut que je le fasse. Bon. Voilà, maintenant on va sortir le lourd.
Ils sont trop loin pour que je les marque, je crois. Non, c'est bon. J'en ai vu se décaler là. C'est bon. La note. Bon, tu veux montrer ta tête ou pas? Non, ah si. Voilà, du cadré avant de tirer. Trop pressé. Je vais le marquer et on se le faire. On dirait que c'est le seul survivant, ou alors on va y aller, on va se le finir. Ça m'aide de se faire distance quand même. Allez, butez-le là. Je crois que c'est bon, on l'a eu. C'est bon. Non, il reste un, je le vois d'ici. On va reprendre le silencieux. Et on y va. On se rapproche en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ok, il y a d'autres véhicules qui sont arrivés. C'est bon. Il va péter. Maintenant c'est aussi le camion là-bas là. Dès qu'il aura rechargé, voilà. Reprennent le truc, regardez, c'est barré. De toute façon, on ne pourra pas l'avoir là, il n'y a pas un bon angle. Il y avait un petit troupeau de mecs, ah, ils sont barrés. On en a quand même eu un. On va y aller au flingue, là, ça sera mieux. Il est ouf. C'est bon. Il y a juste un camion qui s'est barré, mais tant pis. Voilà, voilà. Bon, ça va, c'était pas trop mal. On a un peu foiré au début de Trafail pour bien comprendre les étapes à suivre. Mais ça va, on a quand même bien géré sur la 20. Je suis pas trop mécontent. Sinon les gars, on était pas dans cette ambition un petit peu plus dynamique là, ou en randonnée, je sais plus. C'est qu'il y a lui aussi qui a pas l'air d'être très rapide. Par où il passe lui d'ailleurs? Ah, il y a des munitions, ok. C'est cool, sans le vouloir, il nous aura montré ces dernières. On va reprendre des capteurs, parce que j'ai fait n'importe quoi au début. Décidément. Capteur, c'est LB, RB, et je confonds toujours ces deux-là, c'est pas compliqué pourtant, mais... Bref. On va éviter de reproduire cette erreur. Un truc à détruire. Vraiment, j'ai choisi, non? Non, j'avais cru choisir. C'est ça, d'accord. Donc là, il a un mauvais angle. Il faut déjà qu'on se décale un peu plus. Mais pas bouger. Ça passera pas pourtant. Et je vais essayer, parce que bon. Mais on voit que ça passe pas. Ce que je disais. Missile guidé. Ben c'est ce que j'ai fait, non? Ah non, ok, d'accord. Je comprends mieux. Je croyais qu'on était passé entre les machins, que ça ne me servait à rien. Non, c'est bon, ça a quand même pris en compte. Voilà,
L'antenne transmission a été... enfin le relais. L'antenne relais a été mis hors service. Bon, personne n'est en mode camouflage. Eh ben on aurait dû. Ah, la voiture ou quoi, enfin, non. Je crois que je vais me le faire au truc là. Hop. Voilà. Ah oui, il y en a un autre là, je l'ai pas vu. Décidément. C'est que si je dis pas de tirer, il tire pas. Pourtant il était vraiment prêt à le faire quoi. Allez, prends le truc, voilà. C'est un cadavre ça, enfin c'est un corps, parce que j'arrive pas à le loquer. Avec, je vais leur dire tirer dessus, contrairement à eux là. Oh non, 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 ah putain, je me suis fait tout. J'aurais dû mettre à couvert. Dommage. On aurait pu arriver du first try là parce que tout était bien... j'ai mis un petit peu de temps à réagir à chaque fois entre pour les véhicules, mais ça va. On a pas réussi quand même, j'avais réussi à m'en sortir un minimum. Bah, ça devrait être bon là cette fois-ci. On sait ce qui arrive en tout cas, hop, on se prépare. C'est qu'il bloque ou quoi? Parce que j'arrive pas. Voilà. Il est bloqué donc j'ai pas pu faire ce que je voulais. C'est limite s'il faut pas rester juste comme ça quoi. Avec le truc, je peux pas leur donner d'ordre aux soldats. Faut que je sorte. Merde, c'est pas tout ce que je voulais faire. Encore une fois, je me suis trompé. C'est sympa de trop. C'est qu'il y a du monde là-dedans quoi. Ah non, c'est au-dessus. Je sais pas trop où il est, on va tirer un peu partout. Ah c'est là. On l'a pas eu putain. Faut qu'on trouve un autre moyen de le faire. Ah mais c'est un véhicule. Tourelle automatique ou je ne sais quoi. Faut juste que je trouve un bon angle, bordel, on va pas mourir comme ça là. Voilà. C'est bon. J'ai hâte de le faire avant celui-là.
Non, c'est là-bas les munitions. Quoi, ça connaît full ou quoi? Sûrement, je sais pas, pas d'interaction possible. Allez, on continue, ça. Tant pis. Il me semblait pourtant avoir utilisé des capteurs. C'est vrai que j'ai des UEM aussi, je peux pas... Peut-être dû tirer avant, mais ils ont buté ceux qui avaient dedans apparemment. Ils n'ont pas eu besoin de moi. Allez, recharge, là, que je puisse... Voilà. C'est bon, est-ce qu'on peut se faire l'hélicoptère avant qu'il décolle avec? Ah bah, fallait que je le détruise, apparemment. J'ai vu un véhicule. Là-haut. Et là, il faut que je me fais fi. Bon, on va s'occuper du véhicule. Bon bah c'était bourrin encore, mais hein, c'est comme ça apparemment. De toute façon là c'est un peu dur de se faire tous en mode discret, j'imagine. Surtout qu'on se trimballe l'espèce de Metal Gear là, robot, lanceur de roquettes. Bon bah allons-y. Je pense que la première partie est terminée. Peut-être. Montez à bord. Et c'est bien ça. Vraiment parfois la cinématique là. Quand il parle, on l'entend à peine. J'augmente le son, hop. Ah,
J'avais bien fait de mettre le sous-titre. Pas trop compris. C'est si je peux bouger la caméra. Et le rouillage dans 10 minutes. Par rapport à quoi? Bon. Encore du bruinage, je le sens bien. On peut dire d'être furtif avec ce machin là aussi. Hein. Qui c'est qui m'a vu? Ça m'a pensé à Battlefield 4 là, ces genres d'hangars et tout là, il manque plus que le gros sous-marin. Eh bah, y'a qu'à demander, c'est exactement ce qu'il y a ici. J'ai tiré partout sur eux, enfin pendant bon, 5 minutes. Ah, j'aime bien cette petite mission, même si ça bourrine. Ambiance, tout ça, c'est plutôt cool. Bon, on va laisser se faire un duel tous les deux. Wow. C'est bon. J'ai un peu envoyé une grenade du M, hein. Pareil. Par où ils arrivent? Merde, mal tiré. Il va pas. Et merde. J'ai voulu faire la grenade et du coup bah je me suis pris une rafale. On commence pas depuis le début quand même.
Non, ça va. Merde. Mieux comme ça avec cette vue là, parce que je galère de tout à l'heure à trouver où sont les cibles. C'est pas sympa. À cause d'une flashbang, j'aurais dû rester. Ils nous ont envoyé qu'une flashbang, j'ai cru que c'était une grenade de fragmentation. Ça m'a juste aveuglé quelques instants. J'avance, je crois. Je peux leur donner d'ordre quand je suis comme ça là, c'est chiant. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. J'ai perdu la prise en main quoi, j'arrivais plus à jouer. Moi qui disais que j'aime bien ce passage, on va y rester 3 heures. Et du coup j'ai pu l'aimer. Je vais rester qu'avec ça, hein. Je vais essayer de débrouiller, puis pas besoin d'ordre, hein. Ils vont se démerder, ils savent très bien sur qui tirer, enfin j'espère. Alors moi il y en a qui vont se pointer là. C'était bien ça, fallait juste que j'avance. Voilà, ça va être bon. Je pense que c'est ça, hein. C'est... limite faut se servir que de ça. Continuez.
Il est où? Oh non, merde! Je l'ai pas vu, du coup je me suis dit je vais avancer parce que... Pour que le script se lance, je sais rien, enfin voilà. Vu que je n'arrivais pas à faire grand chose de là où j'étais. Merde, on l'a même pas eu. Ça passe pas, merde. Donc celui-là, j'aime le faire. Il est où? Ah merde, je me suis fait tuer avant. J'essaie de leur donner un ordre, mais je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, j'ai voulu me le faire. Trop gourmand. Pour s'en gagner du temps, j'en ai perdu. Je vais même pas essayer de les avoir. Ah quand même. Attention, il reste lui là-haut. Alors, dès le désordre, on va voir. Est-ce que autrement on peut l'avoir là maintenant? Non, ils sont morts. Non, même pas, il en reste un. Faut que je donne un ordre manuel. Voilà, c'est bon, je crois. Non, il en reste un. Encore un autre. Il est où? Ouais, c'est un peu plus loin je pense. On a passé cette étape là apparemment. Pas trop tôt. Non, quoique c'est pas terminé. Yeah.
Ah bien. On a régalé quand même là. Il y a d'autres là. Sûrement en bas. Eh merde, c'est quoi ce délire? J'ai regardé en haut et j'ai vu personne. D'accord. Peut-être lui qui m'a eu tout à l'heure, mais je l'ai même pas vu. D'accord, on attend mieux. Merde. Faut que je trouve un bon angle. J'espère que le chrono va être bon là, parce que on voit que ça fait beaucoup de temps. Bizarrement, il n'y a personne. Donc là, c'était la seconde étape, passe à la dernière étape. C'est donc enfin, la deuxième, parce qu'il y en a trois. Cette extraction, tous les coups. Ah bah, il est cramé le machin aussi, ça hein, de se mettre l'acté avec le camouflage là-bas. Bon. Ouais, et puis c'est pas nous, hein, c'est la machine qui se fait cramer. Par contre, pas mal la destruction, ça va, c'est cool. Ils sont dans les corps. On les met KO.
bah attendez, on va voir. Pas utiliser le truc parce qu'il est ici quand même. Peut-être pour lui. Ok, on aurait pu l'avoir comme ça, mais on va lui envoyer une petite roquette. Oh bah, comme ça du coup. Ça a fonctionné. Je m'attendais, je voulais pas faire ça en fait, mais du coup c'est ce qu'on a fait. J'avais oublié qu'il y avait deux tirs. Peut-être pour ça que... Ça aurait peut-être été encore plus simple tout à l'heure dans l'hangar si je me serais servi du deuxième. Mais comme d'habitude, je fais toujours les choses à moitié. Voilà, c'est bon. Enfin, quoique ça n'a pas vraiment changé grand-chose, hormis pour les 2-3 fois qu'il y a des angles un peu pourris. Mais j'avais contrebalancé en tirant dessus. Et en demandant à mes hommes de tirer dessus, sinon. Avec une, j'aurais dû recharger avant, je peux pas le faire automatiquement. Je pense que là, il faut que j'envoie une grenade, un truc... Faut qu'il recharge d'abord. J'ai pas eu le temps. C'est ce que j'aurais dû faire direct. Dès qu'il arrive, on va me laisser tirer dessus, parce que... Encore une fois, je me suis dit, ça va être plus simple. Voilà, c'est soi-disant autolock, plus ou moins. Mais... c'est pas parfait, la preuve. Donc ça, on recommence juste à l'étape de l'hélico. Allez, mets-toi. Voilà. Boum. J'ai dû la sentir passer, mais ça n'a pas suffi. On va le finir avec le classique. Oh, on l'a loupé. J'ai pas lu. J'ai dû retirer dessus encore. Avec l'autolock. Enfin, le manuel. C'est trop mobile, en fait, c'est pour ça. Ça va pour les hommes à pied ou les véhicules terrestres. Encore, faut pas qu'ils soient forcément trop en mouvement. Ouais, ouais. Ok, donc c'est bon. C'est bon, je pensais que j'allais louper de peu. Dès qu'il recharge, on recommence. Ah merde, peut-être tirer un petit peu trop précipitamment. Il est où? Ouais, c'est foutu. Du coup, il est où maintenant? Ça va, il... Ouais, ouais. Ça me rappelle un passage de Metal Gear, là, avec le boss. C'est un peu le même genre. Et qu'il faut l'avoir avec un truc téléguidé aussi, il me semble. Non, ils partiront pas d'ici vivants. Alors, ah, merde, j'aurais dû mettre à couvert et essayer de le finir. Apparemment, c'est scripté, faut qu'il se barre vivant. Enfin, voilà, c'est comme ça. J'ai l'impression, en tout cas. Silent Talon. C'est pas Silent Hill, mais... C'est le talon silencieux. D'ailleurs, Silent, ça veut pas dire silence. Hein. Merde, qu'est-ce que je raconte? On va me faire mon cours d'anglais. À deux balles. C'est bon, on l'a eu cette fois-ci. Ah non, c'est qu'un deuxième. J'avais pas tout suivi, moi. Ah, il va plus vite que la roquette. C'est comme ça, on peut pas faire autrement. J'aurais essayé, hein. Ouais, de toute façon, avec le bruit qu'on fait, les gars, je pense que... On va passer pour être discret. Ils activent leur camo à chaque fois, mais... Bref. Bon bah... J'avance, parce que sinon si j'attends, on a pour 3 heures. De toute façon, je ne fais que décourter ce qui allait se passer. Mais, voilà.
Ah, il est avec moi, lui. Bon. Qui c'est qui me tire dessus, donc, là? Ah, ok, d'accord. Je l'avais même pas vu, tout à l'heure. Faut qu'on s'occupe de ça, surtout. Voilà, plutôt cool. Ça a dit, ça va, hein, c'est mon truc, ok. Là-bas, il y a quelqu'un. Merde, c'est pas ça trop. C'est pas forcément l'UM que je voulais lancer, mais... Il est ouf. On va avancer parce que je vois plus personne. Oh oh, une grenade. Eh hey, merde. Cette fois-ci c'est une grenade frag. En plus l'IA allié m'a prévenu. On va essayer d'en faire un haut en silencieux si on peut quand même. Ok, d'accord, il me voyait. Tituel. Mauvais d'être tiré là où il y avait mon allié, mais ça va, il n'y a pas de dégâts alliés pour pas tuer ses alliés, ça va.
Bah alors. Ah d'accord. Je pense qu'il faut que je descende. Mais c'est foiré. Oh non! Je me croyais tranquille, t'as couvert là, mais qu'est-ce qu'ils font mes potes là s'ils ne couvrent pas? Putain, c'était bon là. Bon, ça sert à rien de se la faire discret parce que nous sommes nous voyons. J'avais déjà oublié lui. Eh bien, espérons que cette fois-ci, nous n'allons pas y rester, quoi. Mais... ça sera peut-être mieux ici.
Ça m'a l'air d'être bon. Ouais. Bon, comme d'hab, hein, toujours quelques petits fails avant d'y arriver. Souvent pour peu de choses. On se croirait dans le niveau de Splinter Cell qu'on a fait tout à l'heure, enfin que j'ai fait tout à l'heure plutôt. L'épisode double agent avec les missiles à missiles aussi. Contact. Ouais, on m'a vu apparemment, je sais pas, bon, bref. On a mis, on leur a laissé un paquet surprise en tout cas. Et c'était un piège. C'est ça, c'est Nico qui est revenu avec du renfort, c'est bien ça va. Je crois que c'est... Ouais, c'est... Game over, faut recommencer. Ah, oh, j'ai loupé. J'ai dégoûté. Il est où? Ah, c'est foutu. Dommage. Je suis un petit peu dingue parce que j'ai loupé. Mais tant pis, on va continuer. On aurait pu se faire l'hélico, mais tant pis, je suis sûr que ça fait partie des petits défis là, parce que je vois qu'à chaque fois qu'on remplit certains objectifs ou petits bonus, c'est pour ça qu'on a peut-être pas un super score par rapport à tout à l'heure. Mais ouais, vous voyez qu'en termes d'infiltration, on a vu mieux. Hein. C'est davantage de l'action, c'est clair et net. Les premières impressions, je pense qu'étaient les bonnes. Hein. Je me suis dit peut-être que ça va se corriger avec le temps, et c'est peut-être le début, de mettre des missions un peu faciles. Un peu orienté bourrinage pour qu'à la suite voilà, que faire à mesure ils augmentent la difficulté, mais j'ai bien l'impression que c'est l'inverse carrément même, enfin quasiment. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même pas mal. Et donc le type balance un tir de suppression à la bonne purée, il les arrose histoire de les fixer, et pile à ce moment là t'as un hélico qui apparaît. C'est le sniper qui les fixe? Non,
Non, c'est l'autre, c'est le technange. Ah, okay. Donc le sniper repère l'hélico rapidement. Le gars, il prend son temps pour viser, tu vois, il reste super calme. Il tire un coup et BAM! Il abat le pilote. Non, tu me fais sérieux? Je déconne pas, mec. D'un seul coup, en plein dans la tronche du type. C'est la grande classe. Et c'est pas fini, hein. L'hélico se met à piquer du nez et BAM! Il se crache sur les positions ennemies et il explose. Sans en souvenir, tu l'as bien abattu d'un coup. Mais c'était au lance-roquettes. Ouais. Alors, tu leur dis ce qui s'est passé? Non. Je préfère leur version. Bah d'ailleurs, je crois que ça parle de ça, l'hélicoptère ou pas, buté ou non à la fin, un truc comme ça, je crois. Personne ne s'attendait à une découverte pareille. Une telle orgie d'équipement militaire n'aurait jamais dû nous échapper. Et c'est bien ça le plus inquiétant. La NSA, la CIA et la DIA ont mis toutes leurs données en commun pour élucider cette affaire. Rugova fait partie de Ravensrock, une faction rebelle qui sévit en Russie. Nos analystes sont à pied d'œuvre, mais les implications sont profondes. D'après Langley, Ravensrock transfère un système balistique à un groupe d'extrémistes. Je vous le dis, cette opération est une mauvaise idée. Je le sais, vous le savez, mais nous devons malgré tout la mener à bien. Vous devrez opérer sans filet en plein territoire russe. L'opération est risquée, mais le risque serait encore plus grand si cet équipement nous filait entre les doigts. Messieurs, nous avons tout intérêt à ne pas nous rater. Eh bien tout ça, ce sera pour la prochaine fois, et donc comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et bon jeu à tous. Allez, bye.